ne manquez plus aucune émission. Voilà. L'éducation civique et patriotique. Nous avons marché, nous avons travaillé, fait les droits internationaux, nous avons fait les droits humanitaires, les professionnalisme, le leadership. Ils connaissent l'hymne national de leur État, ils connaissent les valeurs ancestrales, ils connaissent donc la coutume de leur pays. Ils savent que les Congolais sont unis et indivisibles. Notre plus grande gloire est de ne jamais tomber et relever chaque fois que nous tombons. Moi, ce que je veux dire à mes confrères, l'ennemi est à notre porte. Tous les Congolais de se mobiliser, une, d'envoyer les jeunes gens dans l'armée, qu'ils nous rejoignent dans le sang, donc sur le champ de bataille. Mais nous, en tant qu'armée, on est en train de tenir la tête haute jusqu'au dernier jour de notre service. L'armée étant une société de respect, d'obéissance, ces jours, j'allais faire des actions personnelles pour venger la chute de l'homme et pour venger l'humiliation de notre État, de mon peuple. Mais il y a un autre cœur qui me conseille. Mamadou, la guerre, c'est pas une seule journée. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.